Le CHU de Rouen s'est engagé dans de grands projets de modernisation, comme notamment la construction d'un nouveau bâtiment dédié à la chirurgie ambulatoire et au bloc. Situé le long de la rue Audrebec, ce vaste chantier a débuté en octobre 2017 et se poursuivra jusqu'en mars 2020. Non, parce qu'en fait, dans cette région, 18 mois après la pose de la première pierre, le gros œuvre se termine. Aujourd'hui, au niveau des travaux, nous sommes à la fin des travaux de gros œuvre, c'est-à-dire que l'ensemble de la structure est réalisé et nous sommes en cours de repli de l'ensemble du matériel. Nous avons l'entreprise qui a réalisé les travaux, a réalisé des étanchéités provisoires qui ont permis de démarrer l'ensemble des travaux de cloisonnement et de distribution d'électricité et de chauffage, ventilation. Si bien qu'aujourd'hui, les niveaux zéro, c'est-à-dire les futurs bureaux et salles de consultation d'anesthésie, sont réalisés. Les niveaux 1 et niveau 2 de bloc opératoire sont en cours d'achèvement des travaux de cloison. Et nous sommes sur une phase un peu intermédiaire au niveau 3 ainsi qu'au niveau 4, qui est la future hospitalisation ambulatoire, où là, le gros œuvre a fini et nous allons démarrer les travaux de corps d'état secondaire suite à la pose des menuiseries extérieures qui sont en cours de réalisation. 12 500 m² seront répartis sur 5 niveaux avec un accueil et les consultations d'anesthésie au rez-de-chaussée, les blocs opératoires au premier, deuxième et troisième étage, un accueil et l'hospitalisation ambulatoire au quatrième étage. Derrière moi, je vais vous présenter une particularité du bâtiment Robec. C'est un monte-charge interbloc, c'est-à-dire que c'est un monte-charge qui dessert uniquement les trois étages de bloc opératoire afin de permettre au personnel soignant de pouvoir communiquer et interagir sur les trois niveaux de bloc sans avoir besoin de se ressasser. Un bloc témoin sera bientôt mis en place pour vérifier les implantations types des équipements. Nous sommes en cours de réalisation du bloc témoin. Nous travaillons avec l'entreprise, la maîtrise d'œuvre et la direction du bureau d'études techniques pour valider ce bloc témoin. Ce bloc est représentatif des 25 salles qui seront à l'intérieur du bâtiment Robec. Donc toutes ces salles sont équipées de parois et de portes entièrement plombées permettant la réalisation de tirs de radio sans aucun risque pour l'ensemble du personnel. Vous trouverez dans ce bloc témoin aussi l'ensemble des distributions électriques fluides permettant d'alimenter les futurs bras d'anesthésie et futurs bras de chirurgien. Élément essentiel dans le bloc opératoire de façon à rendre possible les opérations. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette période de validation, de test et de mise au point de l'ensemble de ces tâches. Les prochaines phases de travaux, après le repli des installations de gros œuvres, sont la réalisation de l'étanchéité définitive en terrasse, de façon à assurer le hors d'eau et le hors d'air intégral du bâtiment. Sur les étages d'hospitalisation au niveau 4 et de bloc opératoire au niveau 3, nous allons démarrer le cloisonnement, chose qui aujourd'hui est déjà bien avancée au niveau 2, au niveau 1 et au niveau 0. À ces étages, l'ensemble des ouvriers sont en cours de réalisation des corps d'état techniques, donc le CVC, ce qui correspond au chauffage, ventilation, au courant faible, ce qu'on peut appeler le réseau informatique, et au courant fort, c'est-à-dire l'alimentation en puissance de l'ensemble des équipements tels que moteurs de ventilation, éclairage et l'ensemble des prises. Le Robec sera relié à terme au bâtiment central par des passerelles côté de Roc et côté d'Évé. Rappelons que cette aile du bâtiment central comprendra 25 salles d'opération, un espace d'hospitalisation de 48 places pour la chirurgie ambulatoire, des consultations d'anesthésie regroupées ainsi qu'un accueil dédié. Elle accueillera les premiers patients pris en charge en ambulatoire au premier semestre 2020.